Landongotila. Je voulais symboliser cette géographie du dépassement. Ce site-là est une géographie singulière. Dakar aussi peut être investi, mais de manière plus parabolique, d'ailleurs, le Sénégal, Ziguinchor, Kaffrine, Saint-Louis, ont été associés également avec des projets. Et l'idée, c'est pour eux, de ces artistes, des artistes aussi de ces régions plutôt, de pouvoir me proposer une œuvre. Qui serait une œuvre commune, concertée, tant que c'est possible, et de le poser dans un espace public. Et de faire que cette œuvre-là les interpelle, que cette œuvre-là aussi puisse faire l'objet de commentaires, de questions, d'interrogations, etc. Bref, de mettre la biennale, de mettre ce pavillon-là dans une dynamique, de concertation entre le public et ce que proposent les artistes. Nous avons aujourd'hui une vingtaine d'artistes qui se sont retrouvés pour non seulement discuter de leur avenir, mais partager ce qu'on a de commun dans le cadre de la créativité. Parce que quand on dit Indafa, c'est effectivement c'est forgé, mais après la forge, il faut penser à la consommation. Parce que le produit forgé devient produit de consommation. Et comment faire pour que dans le cadre de nos activités, on puisse discuter non seulement de notre concept, de notre vision du monde, comment changer le monde, comment apporter notre changement, notre participation au changement de ce monde-là, de ce monde qui devient de plus en plus compliqué et difficile, de ce monde aujourd'hui qui a beaucoup de complications à tous les niveaux, dans tous les pays. Donc il était important de mettre ensemble les synergies pour discuter, partager sur le plan de l'expérience, parler d'esthétique. Esthétique, c'est cette préoccupation qu'il y a eu depuis 1960, la création de l'école des Beaux-Arts par Ibanja et Pabir Routal, jusqu'à maintenant, beaucoup d'artistes talentueux nous ont valu beaucoup de succès dans le monde. Mais jusque-là, c'était une préparation esthétique. Il fallait penser à savoir comment maintenant, sur le plan économique, transformer cette esthétique en économique. L'obol ne bénéficie pas aux mendiants, mais à qui donc? C'est mon interrogation. Voilà, donc je laisse à tout un chacun d'interpréter.
pas, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui pour parler d'humanité. N'eût été le péché originel, le couple ne serait jamais sorti du paradis. Par conséquent, il n'y aurait pas eu d'humanité. Donc, encore une fois, nous devons du respect à celle qui a la confiance divine, qui est la femme. Et quand je vois tout ce qui se passe autour d'elle, violence, maltraitance, inégalité dans les traitements, etc., etc., je suis par moments écœuré.